inspiré de faits réels. Allez, 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 Billy, allez, Billy, vas-y, tire, tire. Billy, vas-y, tire. Allez, on va les avoir! À vous de jouer! À vous là-bas! Allez, on y va! Allez, allez, allez! En formation! C'est bon! Attention, attention! Allez, allez, fort, oui, fort! Vas-y, vas-y! Vas-y, vas-y. Attention! Un, allez, deux! À moi, Billy, à moi! Et trois, on y va! Vas-y! Vas-y, 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 vas-y! C'est moi qui viens de marquer 0 touchdown cette fois-ci. Bien joué, fiston, bien joué. Je suis fier de toi. Allez, on y va. Tu m'auras pas une seconde fois, toi. Allez, en formation. Presque ça, un peu plus de précision et... Encore un effort et on gagne. Temps mort demandé. Une question d'elle. Est-ce que le barbecue est en route? Non, chérie, on a... un match à terminer. Ok, alors vous le finirez après. Et fais les grillades, les gosses ont faim. Moi, j'ai pas faim. T'as pas faim, mais ça va pas tarder. Jennifer, allez hop, temps mort, viens m'aider. Oh. Allez, encore un. Billy, viens ici. Okay. Allez, viens vite jouer. Il était super beau, mon plaquage. Absolument, bravo. Pourquoi c'est toujours moi qui t'appelle? Parce que tu es ma fille préférée. Je suis ta seule et unique. Justement. Maman, je déteste les hamburgers. Je sais, je t'en ai préparé un au poulet. Je mange plus de viande et plus de volaille. Oh, oh, c'est vrai, j'avais oublié. Tu es, végétarienne. Tiens, au moins rends-toi utile. Tu me files mon appareil? Puis-je avoir mon appareil? Puis-je avoir mon appareil? Absolument. Mais tante Lisa, sois prévenue, ta nièce a une nouvelle passion. On ne peut plus faire un geste ici sans avoir cet objectif en pleine figure. Mais c'est pour le compte photo en classe. Oh. J'avais complètement oublié, elles n'avalent que des trucs végétariens maintenant. Oh, Sabine ne pourrait pas supporter. Pourquoi? Quelle différence ça fait? C'est pas lui qui les mange. Ce qui lui convient doit également nous convenir. Lisa, est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est simplement le manque d'argent, le boulot. Bill a été soumis à rude épreuve ces derniers temps. Ça va, chérie? Est-ce que je peux t'être utile? Non, je viens seulement prendre des boissons. Ne vous occupez pas de moi. Enfin bref, j'ai dit au patron, ce meuble n'a pas pu être éraflé dans ma camionnette. Mais la cliente l'a joué meuble de famille, antiquité, tu vois le genre. Et tout le chargement était sanglé? Oui, j'ai tout emballé, protégé, sanglé. Je l'ai pas éraflé, son précieux fauteuil. C'était une arnaque aux assurances, purement et simplement. Et donc, elle a été dédommagée et moi, j'ai été viré. Et tu vas faire quoi maintenant? J'ai des tas de projets. Et je savais que je tiendrais pas longtemps là-dedans. J'ai bien mieux à faire ailleurs. C'est-à-dire? Je veux pas bosser pour quelqu'un toute ma vie. Je vais faire un stage pour monter une franchise. Je veux être mon propre patron. Ça coûte de l'argent? Il faut investir pour en gagner. Faut en avoir pour investir. Je me fais pas de soucis. J'ai toujours su retomber sur mes pieds. Oh, oh, c'est très chic, ça. En plus, je l'ai étalé. Oh, Lisa, vas-y, mets un peu d'eau, vite. C'est le seul cardigan que j'ai apporté. C'est pas grave. Il fait assez chaud pour l'enlever. Tu sais bien que j'ai toujours froid. Oh, on n'arrivera à rien avec de l'eau. Ok, on va trouver quelque chose là-haut. Allez, viens avec moi. Irrécupérable. Oh. C'est sûrement pas aussi joli que ce que tu portes, mais c'est propre, c'est bleu, et t'auras pas froid. Quoi, t'as besoin d'autre chose? Non, non, c'est très bien. Je vais le mettre. Merci. D'accord. Je serai dans la cuisine, ok? D'accord. Attention, tiens-toi bien. T'es un as de la balançoire, Scott. Il se poussait plus fort. Papa, c'est à mon tour maintenant. Non, c'est encore à lui. Tante Lisa, un petit allez, sourire. Papa, non, ne me prends pas en photo, je ne suis pas belle. Mais non, t'es jolie, s'il te plaît. Allez, très bien. C'est à moi, s'il te plaît, papa. Fabuleux. Hé, hey, tout le monde, photo de famille, allez, venez. Non. Allez, venez. Toi aussi, oncle Bill. Vite, venez.
viens par là. On se dépêche. Toi aussi, jeune fille, allez, viens. Voilà, c'est génial, allez, comme ça, rapprochez-vous. En un seul rang. D'accord. Eh bien, prenne-moi, toi. Allez, rapprochez-vous encore un peu. Oh mon Dieu, faites que cette période de l'adolescence finisse très vite. Allez. Attention. Ok, tout le monde, 1, 2, 3. Cheese. Elle m'a regardé toute la soirée d'un mauvais œil, moi je te le dis. Mais enfin, c'est ma sœur. Elle se fait du souci. Et pourquoi elle s'en fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai absolument rien dit. Que j'arrivais pas à faire vivre ma famille. Non, je lui ai rien raconté. Arrête, tu parles, je t'ai entendu. Oui, je te jure. Je t'interdis de parler de moi comme ça. Je te l'interdis, tu m'entends? Tu m'entends? Je suis vraiment désolée. Ok. Ça pourrait être désolé, tu l'es. T'es la fille la plus désolée que je connaisse. Tu viens te lamenter ici parce que j'ai plus de travail? C'est un job à la con, de toute manière. Et si je l'ai pris, c'est parce que j'avais pas le choix. Et je referai plus jamais ça, tu m'entends? Plus jamais! Plus jamais! Tu devrais venir te coucher. Je veux pas me coucher, d'accord? Et je veux plus faire ce genre de boulot. Ce serait trop te demander d'avoir un peu de considération pour ce que je dis, non? Allez, les garçons, montez, dépêchez-vous! Moi, je prends la fenêtre! Et toi, tu prends le siège du milieu! On y va, bonne journée. Bon, allez, à bientôt. Ouais. Vous êtes vraiment obligés de partir si tôt? On doit être chez les parents de Bill vers midi. Vous auriez dû rester pour le petit déjeuner. Non, non, on s'arrêtera en chemin. Ils nous attendent pour déjeuner. Dépêche-toi, chérie. On n'a pas que ça à faire. Juste un instant. Écoute, Elisa, tu seras toujours la bienvenue ici, d'accord? D'accord, je vais m'organiser. Non, non, non. En cas de besoin, tu viens ici. Suis-je claire? Au revoir. Salut, ma belle. Salut, Dave. Ciao, Lisa. Je ne peux pas vous entendre. Et installez-vous correctement. Oh, je me fais du souci pour elle, réellement. Je ne sais pas du tout ce qui se passe entre eux, mais en tout cas, ça a l'air... Elle se tient vraiment sur ses gardes. Oui, t'as remarqué, hein? Ouais. Je devrais peut-être passer les voir chez eux. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée. En tout cas, ne fais pas de vagues. Ok, c'est leur mariage. Oui, c'est leur mariage, mais c'est ma sœur. Salut, beauté. Salut, toi. J'adore quand tu mets un costume. Tu es si beau avec. Que tu as du mal à ne pas me ploter, c'est ça? Eh oui. Aïe! Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ah, rien de spécial. Ça avait pourtant l'air d'être un bon travail pour toi. Non, bébé. Ce qui serait bon pour moi, ce serait de monter mon entreprise. Je sais, oui, mais pour l'instant, tu dois décrocher un truc, n'importe quoi, tu vois, juste pour quelque temps. Je veux pas décrocher un truc. J'ai un projet bien arrêté, combien de fois il faudra que je te le dise? C'est quoi, ça? C'est le dîner. C'est hors de question, pas de ça ici. Bill, j'ai eu que 23 dollars. Cette merde est juste bonne pour les chiens. Moi, j'ai grandi avec ça. Et moi, non. Laisse-moi au moins le donner au gosse. J'ai dit non. Mais c'est tout ce que j'ai. Ah oui? Et il te laisse ça. Et ça. Et ça. Et ça. Et tu veux me faire avaler de la boue pour chien? T'avises plus jamais de me traiter comme un chien. Je veux que tu me respectes. T'entends? Je veux que tu me respectes. Chut, je t'en prie, mais... Tante Joanne. Oh, chérie. J'ai peur pour elle. J'ai vraiment peur pour elle. Ça va aller, ma chérie, je te jure que ça va aller. Elle est à côté et il lui a... Elle a plein... Elle ok, chérie, calme-toi, écoute-moi. Tu vas aller te chercher un grand verre d'eau, d'accord? Et tu vas t'asseoir et m'attendre tranquillement. Et moi, je vais voir le médecin et m'assurer que tout va au mieux pour ta maman. D'accord. Va t'asseoir.
Bonjour. Excusez-moi, je suis la sœur de Lisa Miles. Elle a été blessée gravement. Ecchymose et contusions multiples. Elle va beaucoup souffrir pendant quelques jours, mais elle s'en sortira. Elle est dans ce lit-là. Oh, est-ce que vous comptez prévenir la police? Je dois faire un rapport, mais ça ne donnera rien, sauf si elle décide de porter plainte. Oh, elle le fera. N'en soyez pas si certaine. Lisa. Ça va. Tu n'es plus seule maintenant. Et Bill ne lèvera plus jamais la main sur toi. Bill Miles? Oui? Qu'est-ce que vous me voulez? Tournez-vous, lentement. Les mains sur le toit, que je puisse les voir. Si vous insistez. Vous êtes en état d'arrestation pour coups et blessures sur Lisa Miles. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant le tribunal. Vous avez le droit de prendre un avocat. Et si vous n'en avez pas les moyens, on vous en commettra un d'office. Johanna, je vais pouvoir me débrouiller seule maintenant. Alors rentre chez toi, s'il te plaît. Et je te signale que tu es sortie il y a même pas 3 jours. Oui, mais moi, je te signale que je n'ai plus 12 ans. Et que j'y arriverai très bien toute seule. Depuis quand? Lisa, depuis quand il se comporte de cette façon? Ça n'a rien à voir avec ce que tu crois. Qu'est-ce que je crois, selon toi? On a traversé une période difficile récemment. On a emprunté pour les traites de la maison et même pour la facture chez l'épicier. Ça a été dur à gérer pour Bill. Ah oui? Qu'il aille se faire voir. C'est pour toi que ça a été dur. Dans la plupart des cas, j'arrive à le contrôler. Écoute, à part ça, j'apprécie vraiment ce que tu fais, d'accord? Mais je suis sûre que ça va aller. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Si tu veux que je parte, eh bien, je partirai. Mais je me sens franchement pas bien avec ça. Je préférerais 1000 fois que tu restes chez nous. Les enfants vont à l'école. Oui, mais je serai plus rassurée comme ça, voilà. Pourquoi? Parce que Bill a été libéré. Oui. Parce que Bill vient d'être libéré, parce qu'il est à 20 minutes de chez toi, chez sa sœur, et que ça ne t'effraie pas, toi. Il ne lèvera plus la main sur moi, je le sais. Et comment tu le sais? Comment tu peux en être si sûre? Parce que je lui en ai parlé. Parce que je lui en ai parlé. Et qu'il a honte de ce qu'il a fait. Oui, eh bien, il a de quoi. Lisa. Chut, non, ne dis rien. Écoute, je voulais juste... Non, chut. C'est moi qui t'ai fait ça. Oh, Seigneur. Bill. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Tu veux bien m'excuser? Mon bébé, je voulais pas te faire de mal. Tu veux bien me pardonner? Calme-toi. Calme-toi. Mon bébé, je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Pardonne-moi, ma chérie. Ça va aller. Je recommencerai plus. Je recommencerai plus jamais. Plus jamais.
C'est à peine croyable. Mais... on croit rêver. Elle a retiré sa plainte. Après tout ce qu'il vient de lui faire. Elle lui donne la permission de revenir. Il suit peut-être une thérapie. Oh oui, bien sûr. Bill va voir un thérapeute. Et tu sais ce que Lisa m'a dit? Elle m'a dit que je la traitais pas comme une adulte. Elle a raison. Comment? Oh! Oh bon, c'est vrai, peut-être. Mais je vais te dire une chose, cette fois c'est différent. Cet homme l'a quasiment frappé à mort, ok? Johan. Pour certaines raisons que ni toi ni moi n'arrivons à saisir, elle est encore amoureuse de ce garçon qui la maltraite. Mais ta sœur est loin d'être bête. Elle saura sûrement y remédier. Oh, Del, tu peux pas savoir comme j'ai peur pour elle. Si, je sais. Je sais. Elle est au courant que j'ai un entretien d'embauche? Oui, je lui ai dit ce matin au réveil. Oui, en attendant, elle me met en retard. Bill, occupe-toi plutôt de manger. Bill, j'ai peur. Bill. Lâche-moi. Laisse-la tranquille. Pour qui tu te prends? Pour la reine de Saba? Tu veux qu'on te serve le petit déjeuner au lit ou quoi? Mais non, j'allais justement descendre. Tu me mets en retard et j'ai un rendez-vous. Bill. Un rendez-vous pour encore un autre boulot de merde, évidemment. Ah oui, c'est notre faute si tu fais des raids tout le temps. Pas comme ça, saisis. Je t'avais dit. C'est jamais de ta faute tout ce qui nous arrive, hein? Non. Oh, oh mon Dieu. Entrez. Entrez, mes petits chéris. C'est... ne t'inquiète pas, Lisa, ça va aller. Allez-y, entrez. Oh, Lisa, pourquoi tu ne m'as pas tenue au courant de ce qui se passait? Comment se fait-il que tu ne sois pas venue m'en parler avant? Parce que j'aime mon mari, que lui, il m'aime. Et j'en sais rien, c'est comme si on était contraint d'exécuter une sorte de danse de pas deux. Et que d'ordinaire, on s'en sort bien. On arrive d'une façon ou d'une autre à s'en sortir. Mais cette fois, ça s'est passé d'une façon différente parce que Suzy était présente. Et que je ne laisserai jamais faire du mal à un de mes enfants. On y va, on n'a plus le temps. Dépêche-toi. Lisa, dans la voiture, il est là. Chérie, je regrette ce que j'ai fait. Dans la voiture. Bill, tu t'en es pris à Suzy. Je sais pas ce qui m'arrive, ça me prend comme ça. Je te jure que je sais pas ce que c'est. Moi, je vais te dire ce qui est arrivé, Bill. Tu l'as frappé sauvagement. C'est à ma femme que je m'adresse. Et moi, je m'adresse à toi. Bill, monte dans ta voiture et pars vite, ou sinon je te fonce droit dedans et je te jure devant Dieu que je le ferai. Ça te regarde pas, toutes ces histoires. Quand Lisa et ses gamins débarquent chez moi à minuit, ça me regarde forcément. Maintenant, pars et vite. Ok, Johan, je vais y aller. Chérie, on en reparlera, ok? Non, hors de question.
va bien se passer. Bon, allez, on essaie encore une fois. Ah, zut. Ce truc penche toujours à droite. C'est peut-être le sol. T'as raison, Lisa, c'est peut-être le sol. Chérie, il faut que j'y aille, je peux pas faire attendre mes ouvriers. Oh, c'est vrai, oui. Ok, à bientôt, Lisa. Au revoir. Et en cas de besoin, tu appelles, ok? Le téléphone sera installé que demain. Oh, alors, si tu veux, je reviens te voir plus tard. Johan, tu en as déjà assez fait comme ça. Ça suffit, les enfants. Et encore merci pour tout. Oh, Edel reviendra encore demain et il te mettra des verrous supplémentaires. Ok. Et on ira te prendre tout ce qui reste. Je crois que Kowalski doit encore avoir une vieille télé dans son garage. Oh, tu sais, on se passera de la télé pendant quelques jours. Oh, ça, c'est toi qui le dis. Allez, salut, oncle Edel. Moi. À bientôt, Suzy. Au revoir. Salut, mes petits champions de gymnastique. Au revoir. Et les chaussures. Au revoir. Au revoir. Tu as fini dans ta chambre? Oui. On attaque la cuisine. Ok. Je saute plus loin que toi. Hey, chérie, lave ça, c'était emballé dans le journal. Oh, d'accord, oui. C'est moi qui ai gagné, j'y vais. Papa! Oh, c'est pas vrai. Suzy passe par l'escalier et appelle la police. Non! Fonce, je te dis, fonce! Scott, Billy. Venez, les enfants. Et attendez-moi ici une seconde. Je reviens tout de suite. Je dois parler à maman. À tout de suite. Bill, tu restes loin de moi. Bébé, je suis encore ton mari. Je plaisante pas. T'as aucune idée de ce que ça me fait. À quel point ça me rend cinglé. Suzy est allée prévenir la police. Comment tu peux oser faire une chose pareille? Je te le demande, va-t'en d'ici tout de suite. Chérie, je tente simplement d'avoir une conversation avec toi. Et moi, je refuse de discuter avec toi. Je te laisserai pas prendre mes enfants. C'est déjà fait. Il n'est pas question que je te laisse faire. Une dernière fois, je te demande de t'en aller. D'accord, tu as peut-être les cartes en main maintenant. Mais tu ne pourras pas vivre sans moi. Et tu le sais très bien. Il y a 2 mois, il m'a frappé très violemment. De quoi l'envoyer à l'hôpital? Il a été condamné? J'ai retiré ma plainte. Vous auriez dû l'envoyer en taule quand vous en aviez la possibilité. Allez voir le juge, il délivrera un mandat de protection. Ça veut dire qu'il ne pourra plus m'approcher. Et qu'on peut l'arrêter dès qu'il franchit la limite des 30 mètres. S'il arrive à la franchir, cette limite, alors dans ce cas, il m'aura. Alors, un bon conseil, achetez-vous un Rottweiler. Chez moi, les animaux sont interdits. Eh bien, c'est dommage. C'est la meilleure dissuasion qui soit. Je finis de taper ça, après, vous irez voir le juge. D'accord? Oh non, Suzy, lève-toi.
Allez, lève-toi. On est en retard. On est en retard. Les enfants, allez, debout. Allez. On se dépêche. Allez. Avancez, allez. Vite, vite. Suzy, tu as fini tes devoirs de maths? Oui, ce matin, pendant le petit-déj. Non, parce qu'hier, quand je suis rentrée, tu n'as... Je sais, mais hier, j'ai... Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a? La voiture n'est plus là. T'es sûre que tu l'avais garée ici? Oui, absolument. Allez, venez, on va appeler un taxi. Allez, on se dépêche. Attends que j'ouvre la porte. Une petite seconde. Larry, un appel, ligne 2. Ah, c'est pas vrai! Oui. On l'a retrouvé sur Evans Avenue. C'est à 200 mètres de chez moi. C'est plutôt malfamé, si je peux me permettre. Ces voyous s'en servent pour dévirer la nuit. Qu'est-ce qui vous dit et... c'est eux qui ont fait ça? Enfin bref, ça fera $220 pour la récupérer. 220? Mais je peux pas payer un tel montant. Roy, on vous demande pour déplacer un véhicule. Oh, et aussi, il faut parfois secouer le bras d'un des deux essuie-glaces. D'accord. Évidemment, tu ne le fais que les jours de pluie, mais... Oh, écoutez, encore merci pour tout ça. Mais ça m'ennuie de vous l'emprunter, j'ai... Tiens la clé. Écoute, moi, en ce moment, je bosse le soir. Johan a la sienne et toi, tu en as besoin. Vous voulez que je vous dise? Je suis sûre que c'était Bill. Quoi? On a pris toutes les clés. C'est ce que je croyais aussi. Tu seras peut-être plus tranquille avec une arme. Je t'en donne une et je t'apprends à t'en servir. Non, les enfants jouent dans la maison. Ils pourraient la trouver. Mets-la dans un placard et garde la clé. Non, c'est gentil, mais non. Et merci de vous soucier autant de moi. Bon, allez. Ciao. Et réfléchis encore une fois à cette histoire de chien. Non, pas de chien. Au revoir. D'accord, maman. Je te promets. Oh, maman, regarde. C'est quoi, ça? Bon, on s'en va. Allez, sors, Billy. Tout le monde dehors. Eh bien, c'est sûrement difficile à dire, mais à votre avis, est-ce qu'il manque quelque chose? Non. Ils ont sûrement dû avoir peur. La porte était verrouillée. Ouais, on dirait qu'ils sont passés par derrière. Écoutez, je suis pratiquement persuadée que c'est mon mari... Qui a fait ça? D'abord, ma voiture et... Malheureusement, on doit le prendre en flagrant délit. On ne peut pas l'arrêter comme ça sur une simple présomption. Vous croyez que je suis dingue? J'ai vu des maris déchirer les robes de leurs épouses pour les empêcher de sortir. J'ai vu des maris enlever les frigos, les fours, tout. Tout pour faire craquer leur femme. Et vous ne pouvez rien y faire. Je vous ai parlé du chien. Ouais. Dors. Bonne nuit, maman. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Allô? Salut bébé. Alors, ça marche comme tu veux? Tu sais bien que non. Tu as l'air stressée. Stressée? Oui, je suis. Je suis stressée. Tu m'as piqué ma voiture, dévasté mon appartement. C'est malfamé dans le coin. Arrête ces salades, Bill. Bébé, t'as besoin de moi, même si tu crois le contraire. J'y arrive très bien sans toi. Et d'ailleurs... J'ai fait une demande de divorce. Et ne t'avise pas de m'approcher, sinon je te préviens, je te ferai aussitôt arrêter. Bon, t'as le droit à la moitié des biens. Oui, sauf qu'à la moitié de rien, c'est rien. Mais je comprends pas, et la maison alors? Eh bien, Bill n'a pas pu rembourser les traites, la banque va la saisir. Quel salaud. Mais tu sais quoi? Ça m'est égal.
Parce que c'est fini entre nous. Il va signer ses fichus papiers et c'est fini, on sera divorcés. Bon, c'est bien. Ouais. On va fêter ça. Et regarde, j'avais justement mis ça de côté. Oh, Jo, t'étais pas obligée. Je fais ce que je veux. Sors deux verres, s'il te plaît. Des flûtes, du champagne non, français, ça, non. Ça fait une éternité que j'avais pas dit ça. Oui, je sais, je sais. Pas depuis, voyons voir. Pas le jour de l'an à la veillée, sur la belle petite terrasse d'Andichet. Je sais. Et tu peux... Tiens, là, là, vas-y, vas-y. Oh, quelle angoisse. Et tu m'as obligé à nettoyer ton vomi. Oh, ça va déborder, tu vois, tiens. C'est ça ton job, t'es mon esclave. Voilà, c'est je tout. Suis et moi, ton je esclave, peux hein. Servir comme je veux parce que pas je trop, suis pas trop. L'aînée. Mais moi, je vais te dire, je serai toujours plus jeune que toi. Je sais que toi. Tu es sympa, et tu seras toujours plus jeune que moi. Alors donc, trinquons à toi qui es restée jeune et belle et surtout forte. Arrête, tu vas me faire pleurer. Non, il n'est pas question que tu verses une larme, t'en as suffisamment versé comme ça. Trinquons à ta nouvelle vie. À ma nouvelle vie. Je suis vraiment fière de toi. Vite, brossez-vous les dents et allez vous coucher. D'accord. Qu'il se lave le visage aussi. Oui, non. Lisa, on va rentrer maintenant. Je reviendrai pas, Bill. Attends, j'ai aucune idée de ce que ton imbécile de sœur t'a mis dans le crâne, mais on prend les gosses. Et on rentre chez nous, simplement. Il n'y a plus de chez nous ni de maison, Bill. Tu l'as perdu, elle est saisie. Tu as perdu les gosses, tu m'as perdu, moi. Je n'y ai pour rien, c'est à cause de toi, à cause de toi. Tu crois que je vais te laisser t'en aller? Tu crois que je vais te laisser divorcer de moi? J'ai pas besoin de ta permission pour faire quelque chose. Je suis ton mari, je te rappelle. Non, tu ne l'es plus. Croyez y arriver sans moi. C'est ça. Non. C'est ça. Non. On a besoin d'une ambulance. 914 12th Street. Mon père vient de tirer sur ma maman. Venez vite, venez très vite. Scott, non, Billy, emmène-le. Ça va aller.
sont là. Attends, Johan. Oh, ma petite chérie, ne t'inquiète pas, ça va aller. Elle va s'en sortir. Oui. Billy. Je vais voir le médecin. Ouais. On lui a tiré dessus à bout portant. Oh mon Dieu. Et les chirurgiens ont réussi à stopper l'hémorragie. Mais les lésions internes sont très importantes. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Elle était à demi consciente quand on l'a amenée ici. Ce qui est très étonnant avec tout le sang qu'elle a perdu en quelques heures. Elle n'a pas cessé de demander ses enfants. Oui. Je suis dans l'obligation de vous dire qu'avec de telles lésions, spécialement au niveau du foie, ses chances de survie sont très faibles. Vous avez des enfants? Oui. Alors vous me comprendrez si je dis qu'elle fera tout pour s'en sortir, qu'elle le fera pour ses enfants. Oui, Bill a une sœur qui vit à Lafayette. Quant à ses parents, ils vivent à Muncie. Bon, on va vérifier. Et voici le numéro où on peut me joindre si un détail vous revient. Appelez-moi, quelle que soit l'heure. Ça, c'est celui d'une psychologue, Caroline Porter. On travaille souvent avec elle. Non, moi, ça va. C'est pour les enfants. Et pour vous? On croit y arriver, et après, sournoisement, ça vous retombe dessus. Au fait, Lisa m'a dit que c'était Bill qui s'amusait à l'inquiéter. Cette histoire de voiture, de mise à sac de son appartement, de coups de fil anonymes. Oui, oui, elle nous en a également parlé. Oh. C'est peut-être à ce moment-là qu'il fallait l'arrêter. Je suis obligée de dormir avec lui. Pourquoi? Il y a un problème? Il fait pipi au lit des fois. Il s'est tout mouillé. Oh. Oh. Tu sais quoi? Je suis sûre qu'il saura se retenir ce soir. Allez, viens. Je vais te porter. Bonne nuit, mon amour. Tante Joanne? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Papa? Oui, chérie. Il était armé cette fois. Et je savais pas qu'il était là. Mais peut-être que j'aurais pu l'empêcher. Non, t'y pouvais rien. Il faut que tu dormes, t'as eu une dure journée. D'accord. Bonne nuit. Suzy. Hé, Suzy. Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici. Elle s'en sortira. On devrait mettre des lits superposés dans la chambre de Jennifer et des lits jumeaux pour les petits. Oui, c'est possible. Oui, mais on fait quoi quand Lisa sortira? Je pense qu'il va falloir qu'on lui loue un lit d'hôpital. Johan. Il faudra engager une infirmière aussi. Oh, mais non, tu sais quoi? Ça, je m'en charge. Je peux apprendre à changer les perfusions et le reste. Scott? J'ai envie de voir ma maman. Chérie. Hé, petit gars. Là, viens avec moi. Oh, mon petit trésor adoré. Ne sois pas triste. Tu vas bientôt la revoir. Elle a repris conscience. Lisa? Chérie? Ça va? Chérie? Bonjour. Tout va très bien, les enfants sont chez moi. Et dès que ça ira mieux pour toi, je te les amène, d'accord? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Bill?
Pour l'instant, la police est encore à sa recherche. Mais il n'ira pas loin. Madame Stoller ? Oui. Comment va votre sœur ? Elle va mieux, merci. Ah, alors on peut se voir une minute ? Vous ne l'avez pas retrouvée, c'est ça ? On est allé vérifier auprès de sa sœur, de son ex-patron, de ses parents. Eux, ils peuvent l'avoir cachée. Non. Il ne les a pas contactés. On a parlé avec eux, ils se sont montrés très coopératifs. Et ils ont demandé des nouvelles des enfants ? Ils n'ont pas appelé. C'est assez difficile dans leur position. Et vous, vous avez une idée d'où ils pourraient se cacher ? Son ancienne maison. Il a failli à ses engagements envers la banque, donc elle a été saisie, elle n'a pas encore été vendue, elle est vide. Madame Stoller, Dieu soit loué, vous êtes là, venez. Quand le foie est atteint à ce point-là, l'organisme s'empoisonne rapidement. Mais pourtant, elle a fait l'air d'aller mieux. Je sais, oui. Elle ne souffre pas. Mais on ne peut plus rien faire d'autre. Voilà, je suis désolé. Lisa, trésor, je suis là. Bill. La police va l'appréhender. J'ai ta promesse. Oh, oui, t'as ma promesse qui s'enterrera pas. Les enfants, tu me promets. Les enfants, je m'en chargerai, évidemment. Jusqu'à ce qu'ils soient grands. Tu as ma promesse. Si n'est vrai, je ne peux donner ce genre d'informations qu'aux membres de la famille. Oh, monsieur Stoller, j'ai de bien mauvaises nouvelles. Madame Miles vient de décéder. Eh oui, un instant, la voilà. Madame Stoller, c'est votre mari. Merci. Oh, chérie, je suis tellement contente de t'entendre. Je t'aurai pour tout ça, Joanne. Ce sera peut-être la dernière chose que je ferai, mais je t'aurai. Le Seigneur est mon guide, mon berger. Je ne manque de rien. Grâce à lui, je m'étends dans les verts pâturages. Grâce à lui, je m'abreuve aux eaux limpides. Il guérit mon âme endolorie. Il me conduit sur le chemin de la vertu en son nom. Et bien que je me dirige vers la vallée des ténèbres, je ne craindrai pas le malin, car tu es avec moi. Sous ta houlette et ton bâton, je suis réconforté. Avance avec moi. Tu prépares la table où je m'assois en présence de mes ennemis. Tu moins le front avec les saintes huiles. Ma coupe déborde. Ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tout au long de ma vie. Et je demeurerai en paix et à jamais dans la maison du Seigneur. Mamie, papi.
Happy! Ça va, Scott? Sean, je suis vraiment désolé. Nous avons hésité à venir, mais Lisa était quelqu'un que nous apprécions. Où est votre fils, Doris? Joan. Si nous avions eu de ses nouvelles, nous l'aurions dit à la police. Je vous rappellerai dans une semaine ou deux pour voir les enfants. Ils en seront enchantés. Scott, tu veux bien venir avec mamie jusqu'à sa voiture? Allez, venez avec moi, les enfants. C'est bien. C'est étonnant qu'il soit venu. Difficile de faire autrement. Si jamais ils sont en contact avec Bill, alors il va se servir d'eux pour récupérer les enfants. Toi et moi, nous avons le devoir d'assurer leur sécurité. Chérie, je l'ai promis à Lisa. Je sais, oui, je sais. Je suis d'accord avec toi, mais on ne peut pas les empêcher de voir leurs grands-parents. Oui, enfin, ils se sont rarement occupés de leurs petits-enfants, je te signale. Je doute même qu'ils rappellent. On ne sait jamais. Mais s'ils le font, il est hors de question que je leur permette de les voir, pas tant que Bill ne sera pas arrêté. Bien. J'en ai aucune idée. J'ignore de quel endroit il a pu appeler. Vous avez entendu quelque chose en fond sonore? Un jukebox? Non, non, rien de particulier. À mon avis, il va appeler ses parents aussi. On essaie d'obtenir un mandat pour les mettre sur écoute. Et on a envoyé un peu partout son signalement et bien sûr on surveille leur maison au cas où ils viendraient les voir. Est-ce que vous réalisez que tant qu'ils courent encore, on est tous en danger? Une voiture passera toutes les demi-heures devant chez vous par sécurité. Ça m'étonnerait qu'ils viennent chez vous. Il doit se douter qu'on a renforcé la surveillance. Eh bien, j'espère que vous dites vrai. Écoute, c'est pas difficile. Tu appuies sur la gâchette, arroses la pièce de balle et impossible de rater. Non. Non, j'en sais rien. Rien qu'à l'idée de tirer sur quelqu'un, je... Bill n'a pas hésité, lui. Oui, c'est vrai. Je peux pas, tiens. Range-le. Écoute, je bosse la nuit en ce moment. Je sais bien, je sais, oui, et ce serait idiot de dire non à une telle promotion. Il faut quand même que tu te protèges. Ils ont envoyé des voitures qui passent et repassent 24 heures sur 24. C'est légèrement exagéré ce que tu dis. Je sais. Mais néanmoins, range-moi ce fusil. Suzy, à un moment ou un autre, tu devras retourner à l'école. Et ce moment, c'est maintenant. Ils vont tous me regarder comme des malades. Ça sera hyper stressant. Oui, c'est probablement vrai. Oui. Mais plus tôt tu y retourneras, plus tôt tu pourras le surmonter et ils finiront par totalement oublier et la vie continuera. Ça paraît si facile avec toi. Oh, pas du tout, ma belle. Je sais que c'est loin d'être facile. Quoi, c'est fini? Y a pas de discours moralisateur après? Non. Tu descends dans quelques instants. Oui. Bien. Avance, Scott. Allez, viens, Billy. Tu ne vas quand même pas arriver en retard le jour de ton retour en classe. J'ai pas envie d'aller à l'école. T'es pas seule dans ce cas, on dirait. Bon, allez, tu t'installes devant, toi. Et Scott, tu vas à l'arrière. Vas-y, monte. Voilà, allez, vite, vite, vite. Oh, je croyais que je l'avais oublié. Oui, tu as failli. Ton sac à dos, Billy. Allez, venez.
J'exerce ce métier de proviseur depuis des années. J'en ai rencontré des enfants avec des problèmes familiaux. Mais à ce point-là, jamais. Oui, c'est une épreuve insupportable pour eux. Ça dépasse l'entendement. Ils ont vu un psychologue ? Oui, ils ont horreur d'y aller, mais ils en ont besoin. Ça me semble évident. Quant à leur père, il est encore... Je suis au courant, je sais, oui. En dehors de vous et de votre mari, personne ne peut prendre les enfants à la sortie. Si c'est quelqu'un d'autre, j'appelle la police. Merci. Tu peux l'emporter avec toi dans la salle d'attente, si tu veux. Hé, mon grand, qu'il est joli, ce dinosaure jaune et rouge. Il a eu un peu de chagrin aujourd'hui, n'est-ce pas, Scott? Oui. Tous ses copains sont là-bas, près du coffre à jouets. Va voir si t'arrives à les trouver. Oui, et en attendant, je vais parler avec Caroline quelques minutes. Je serai à côté. Oh, j'ai dû user de 1000 stratagèmes pour les envoyer à l'école aujourd'hui. Ils refusaient d'y aller. Ils sont déstabilisés. C'est vrai, mais écoutez, j'ai fait tout ce que vous m'avez dit. J'ai remis en place le train-train quotidien. Je les ai installés dans leur propre chambre. Je les ai dorlotés, câlinés, je les ai constamment rassurés. Mais tout ce qu'ils avaient connu a disparu d'un coup, leur a été retiré subitement. C'est naturel qu'ils soient à la dérive. Ok, bon alors, qu'est-ce que je fais? Êtes-vous officiellement leur tutrice légale? En fait, non. Non, mais j'ai promis à ma sœur que je m'occuperai d'eux quoi qu'il arrive, évidemment. Alors rendez ça officiel. Et comment je fais? Il faudrait que vous contactiez un conseiller au centre d'assistance sociale. Il y aura une entrevue approfondie. Ils inspecteront la maison et puis s'assureront qu'aucun autre membre de la famille ne réclamera les enfants. Oui, les parents de Bill sont les seuls à pouvoir faire une demande d'adoption, mais je crois pas qu'ils l'envisagent. Bien. Alors une fois que tout cela sera fait, c'est le juge qui vous déclarera tutrice légale. Et si éventuellement vous désirez les adopter, alors... Oh oui. Évidemment que je le désire, oui, ça va sans dire. Alors faites que Bill soit légalement privé de son autorité parentale. Voici l'adresse d'un avocat spécialisé dans ce genre d'affaires. Vos démarches en seront facilitées. D'accord. Merci. Mais arrête, maman, on n'est que des cousines, pas des jumelles. Mais avec l'école et maintenant la maison, je l'ai en permanence sur le dos. Oui. C'est bien dramatique ce que tu me dis. Dramatique mais vrai. Et encore, ça c'est pas le pire. Je me sens coupable. Elle me rend malade à force de me coller comme ça et j'essaie d'être sympa, je te jure, mais j'y arrive pas, elle me rend cinglée. Et après je me dis que je suis vraiment idiote. Elle vient à peine de perdre sa mère. Et le seul truc auquel je pense, c'est elle m'envahit et ça m'énerve. Eh, c'est difficile de s'adapter à une nouvelle vie, tu sais. Et puis je vais te dire, quoi. T'es loin d'être idiote. Scott, t'as fait encore un cauchemar, comme hier? Où il est, oncle Dell? À son travail. Alors je peux dormir avec toi? J'ai une meilleure idée. Allez, mon trésor, je vais te montrer quelque chose. Prends ton nounours et mets-toi dans le lit. Voilà, installe-toi bien. Voilà. Et regarde maintenant ce que j'ai apporté pour toi. Qui est sur la photo? Maintenant, à chaque fois que tu te réveilleras, même au milieu de la nuit, ta maman sera près de toi en train de te faire un grand sourire. D'accord? Bon, allez. Je t'aime, chérie. Bonne nuit, maman. Allô? Allô? Bill? Oui.
Je sais, c'est une commande de 10 maisons pour les oiseaux. Là, il n'y en a que 5 de finis que je peux vous envoyer demain. Oui, oui, c'est qu'il y a eu des changements récemment. Oui, voilà, oui, on est en plein milieu de ces histoires de garde d'enfants et ils n'ont pas retrouvé Bill encore. Et je suis... Oh non, Judy, je vous rappelle, je dois passer prendre les petits à l'école. Oui, je vous fais livrer les 5 maisons demain, ok? Bon, à demain matin. Enfants, allons-y. Fiche le camp. Est-ce que c'est une façon de parler à son père? Allez, viens. J'ai dit fiche le camp. Y a un problème? Non, aucun. Je viens chercher mes gamins. Non! Non! Arrêtez-le! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Scott! Billy, ça va? Vous n'avez rien? Oh! Oh mes enfants, je suis désolée. Tellement désolée. Je vous promets que je ne serai plus jamais en retard. Vous entendez? Il est tranquillement entré dans la cour de l'école. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites? On fait le maximum. Non, ça m'étonnerait beaucoup. Il est en cavale, il vole voiture après voiture, il n'a pas été en contact avec ses parents ou avec sa sœur. Et vous pouvez l'affirmer avec certitude? On a eu le mandat, on les a mis sur écoute, il n'a jamais essayé de les joindre. Vous voulez savoir où il va être? Je vais vous dire exactement où il va être. Aussi longtemps que j'aurai ses gosses, il sera dans les parages en train d'essayer de les récupérer. Qu'est-ce que vous comptez faire contre ça? On va poster des voitures banalisées devant votre porte et des voitures de patrouille devant les deux écoles. Et puis surtout, on l'arrêtera avant que ça arrive, Madame Stoller, je vous le promets. Je veux pas de promesses, je veux un résultat. Mackenzie, comment ça va? Qu'est-ce que ça donne? Tout est tranquille chez Stoller. Je vous rappellerai à 1h00, terminé. Bien compris. Johan, non, c'est impossible. Écoute, je m'étais dit que si on pouvait partir quelque temps, peut-être que et les choses seraient... Hein? On vient d'hériter de 3 gosses et on en a déjà un à nous. On peut emprunter à la banque. Je sais que tu te fais un sang d'encre, et moi aussi. Mais que le diable m'emporte si je dois m'enfuir à cause de Bill. Mais je me disais qu'en allant dans un... il s'agit là de notre maison, d'accord? Il s'agit là de notre vie. Pour l'instant, ces enfants sont les nôtres. Et je ne le laisserai pas fixer les règles. Dale, je te rappelle qu'il a failli les enlever à l'école. Il pourrait tout aussi bien entrer dans cette maison et... Il y a là une voiture de police banalisée qui est en faction en ce moment. Et qui va vous suivre, toi et les gosses, là où vous irez. Mais c'est ça! C'est exactement ça, mon problème. C'est pas une façon de vivre. Écoute, chérie, pour l'instant, tout au moins, il faudra bien que ce soit comme ça. Je t'appelle pour vérifier si tout va bien ici, ok? Oui, d'accord. Alors, à demain matin. Billy? Va-t'en! Suzy! Suzy! Va-t'en, je t'ai dit!
Excuse-moi, chérie, mais non. Il n'est pas question que je m'en aille. Il ne faut pas se fixer sur la mort de ta mère, mais sur la façon dont elle a vécu. Tu sais, elle a eu le temps de vivre avant que tout ça ne se produise. Non. Elle était trop effrayée. Elle était en permanence effrayée. Pas en permanence. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais... Non, tu devais être trop jeune, t'avais 4-5 ans. Et on est allé pique-niquer, toi, moi, Jennifer et ta mère. Et tu t'es fait piquer par une abeille. Je suis allergique aux abeilles. Ah, oui. Et c'est ce jour-là qu'on l'a découvert. Tu as enflé en 5 minutes, t'avais l'air d'une vraie pastèque et t'avais du mal à respirer. Et moi, j'étais là, en train de paniquer, et ta maman m'a dit « Vas-y, prends le volant et tais-toi !» Et elle t'a installé, t'a prise sur ses genoux. L'instant d'après, t'es devenue toute bleue. Comment ça? J'avais cessé de respirer? Oui. Oui, et Lisa a commencé à te faire un bouche-à-bouche tout au long du trajet jusqu'à l'entrée de l'hôpital. Ah, et attends, moi j'étais... Oui, ça y est, je me rappelle. Ah, je me rappelle. C'est vrai? Oui. Maman m'a tenue contre elle et elle m'a dit « T'inquiète surtout pas, ça va aller. » Et le moment où le médecin m'a fait une piqûre, oh, tu te souviens? J'ai dû sortir. Avec cette énorme seringue. Maman m'a tenue la main. Et elle m'a souri. Elle avait aucun doute, elle savait que je m'en sortirais. C'était vraiment une bonne mère. Oui. Mais quand papa... Oh, tu sais quoi? Tu sais à quoi elle s'est toujours accrochée? Non. Au fait qu'elle vous adorait tous les trois. Qu'elle adorait être votre mère, tu comprends? Oui. C'est vrai. Et puis nous, alors, qu'est-ce qu'on l'adorait? Ça, oui. Hé, hey, c'est ma balle! C'est la mienne, maintenant! Billy? Billy, rends-lui sa balle! C'est la mienne, rends-la moi! Tu entends, Billy? Rends-la lui! Billy! Oh. Nicolas, ça va? Oui. D'accord, c'est bien. Billy! Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui, Billy? Billy, arrête, viens là, Billy. Oh, attendez, c'est bon, voilà. Je Billy, te déteste, je te déteste. Billy, ça suffit, arrête. Je te déteste, non, Billy. Je te déteste. Mon chou, arrête, calme-toi. Je te déteste. Chut, calme-toi. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est rien, chérie, c'est rien. C'était malheureusement inévitable. Il a été élevé dans la violence. Il a donc tendance à réagir de cette façon. Suzy et Scott sont pas violents. Parce que chaque enfant est un individu qui va réagir à sa manière. Vous avez déjà pu le constater. Scott fait des cauchemars et Suzy se sent responsable de tout ce qui arrive. Il y a aussi cette histoire avec leur père. Tant qu'il ne sera pas arrêté, ils seront forcément sur les nerfs. On ne l'est pas tous. Toujours pas de progrès de ce côté? Non. À ma connaissance, rien de neuf. De penser qu'il rôde dans le coin, c'est une horreur, mais comment faire pour ne pas y penser aussi? Vous avez le sentiment qu'il régit votre vie? On peut dire qu'il a réussi à plus d'un titre. Et tout cela vous a bien stressé, apparemment. Vous ne savez pas à quel point. Alors quand viendrez-vous me parler? C'est pas ce que je fais, là. Vous me parlez des enfants. Quand accepterez-vous de me parler de vous seul? Je vais très bien, vraiment, je vais très bien. Johan, si vous ne prenez pas soin de vous, comment voulez-vous prendre soin de qui que ce soit d'autre? Billy! Billy, tu... Billy, dépêche-toi, Scott est déjà installé. Je veux pas y aller. Comment ça, tu ne veux pas y aller? Billy! Hé! Hey! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Billy, je t'en prie, arrête aller, de faire quoi, ça. Billy, Billy, hé, 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 c'est bon, ça suffit, stop, arrête ça. Hé hey. Il va venir pour nous prendre. Quoi? Non, chérie, je sais que tu ne veux pas quitter cette maison parce que ton père rôde dans le coin, mais tu sais, la police va l'arrêter, il n'y aura plus de... Ils n'y arriveront jamais, personne ne peut l'arrêter.
m'aider, il a tué ma maman. Et moi, j'ai pas réussi à l'en empêcher. Tout ça, ce n'est pas de ta faute, d'accord? Toute cette histoire n'a rien à voir avec toi. Et il n'est pas question qu'il te fasse du mal, tu m'entends? Ou à Scott, ou à Suzy, il n'est pas question que je le laisse faire. Et je vais mieux m'occuper de toi maintenant. Tu as ma promesse. D'accord, chérie. Bon. Tu vas descendre et reprendre ton beau petit sac. Et tu m'attends près de la voiture, d'accord? Bien. Je t'adore. C'est moi. Et qu'est-ce qu'il a dit exactement? Très peu de choses, mais apparemment, il va quitter le coin pour quelque temps. Vous savez d'où provenait l'appel? On sait que c'est un appel local, mais il n'est pas resté assez longtemps pour qu'on repère le numéro. Ah, quelle ordure. Et il leur a dit autre chose? Il leur a demandé de l'argent et ils vont évidemment lui en passer. Qu'est-ce que je te disais? Je savais que ses parents allaient l'aider. Mais ils ont aussitôt appelé. Je leur ai expliqué ce que Complice voulait dire, et puis surtout, ils ne sont pas franchement fiers de leur fils. Il veut quitter la région. On sera là quand ils lui fileront l'argent. Je vois qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes. Moi, j'ai du mal à y croire. Il va bien falloir. Si on veut pas devenir dingue, il va bien falloir. T'as raison. Plus que 14 minutes. Comment tu le sais? Ça fait pile une minute que t'as regardé ta montre, je te signale. Ouais, c'est comme ça. Il me tarde de l'arrêter. Voilà. Il aura du mal à nous échapper, ok? Il y a des flics partout ici. Alors arrête, ça me fait flipper. Ennemis. Ah. Dix minutes, c'est bon.
Mackenzie? 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 Aujourd'hui, on fait la lecture de l'acte d'accusation. Nous, on vise l'homicide volontaire. Lui, il va sûrement plaider non coupable et essayer de négocier. Vous plaisantez ? Mais un meurtre est un meurtre, non ? Ils vont vouloir éviter le procès. Oh non, il est là. Ça va, chérie ? Je ne peux même pas le regarder. Je sais que c'est difficile, mais votre présence ici est importante. Tout ça, c'est ta faute, Johan ! Il fallait que tu viennes mettre ton grain de sel ! Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. J'aimais Lisa. Et elle m'aimait. Ah oui, tu crois? Calmez-vous. Ah oui, tu crois? Et c'est pour ça que tu l'as tuée, hein? Écoutez au moins sa proposition, Joanne. Il plaide coupable pour un chef d'inculpation moins grave. Pas de procès. Au maximum 12 ans de prison avec une possible libération sur parole après 6 ans. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Il paiera. Il se peut néanmoins qu'on le libère avant que Scott et Billy ne soient majeurs. C'est l'arme à la main qu'il est entré. Avec la ferme intention de la tuer. Il a affirmé qu'il avait un revolver pour se protéger. Il vivait dans sa voiture, il a été agressé plusieurs fois, il voulait seulement que Lisa et les enfants rentrent avec lui. Ça s'est envenimé, il a eu un accès subit de démence. Oh, mais enfin, comment ose-t-il dire ça ? C'est ce que je dirais si je le défendais, moi. Je dirais qu'il avait pris un revolver pour la menacer, mais qu'une force irrépressible l'a plongé dans un état où il était impossible de distinguer le bien du mal. C'est ridicule. Et je dirais que sa conduite ultérieure, cette façon de poursuivre sa famille, nous apporte sans conteste la preuve de sa démence. Qui peut bien avaler ça ? Ça marche, quelquefois. Mais le vrai problème ici, c'est les enfants. Si on va jusqu'au procès, il va falloir qu'il témoigne. Autant vous le dire maintenant, Scott ne pourra pas. Non, il est trop jeune. C'est les deux autres. Croyez-vous vraiment qu'après un tel drame, il puisse être capable d'aller à la barre afin de témoigner contre leur père ? Je suis sûre que oui. Ah, c'est à vérifier. Bien, alors je vais voir ça avec eux, on verra bien. Il faudra que je voie papa. Évidemment, il sera dans le box des accusés. J'en sais rien. Tu n'auras pas à parler avec lui. Par contre, ce sont les avocats qui te poseront des questions et tu leur répondras. Mais...
mais je ne te cache pas que ce sera difficile. Moi, je le ferai. Billy, tu en es certain? Tu as encore le temps de bien y réfléchir. Moi, je veux y aller. Suzy? Hum? Ben, ok, j'irai. Je crois que j'irai. Très bien. Je commençais à me brosser les dents. Moi aussi. Et ensuite, j'ai entendu maman dire un truc du genre « Non » ou « Je t'interdis ». Savez-vous ce que votre père a dit? Non, mais j'ai entendu sa voix de loin. Il a dit qu'il voulait la tuer. Tu pouvais rien entendre. Si, je pouvais. Billy, allez, viens, on va laisser Dan discuter avec Suzy, d'accord? Je t'achète un soda, viens. Suzy, une fois la dispute finie, qu'avez-vous entendu? J'ai entendu. Il y a eu un coup de feu. Et ensuite, je me suis mise à hurler et papa est sorti de la chambre. Chérie, tu as le droit de pleurer. Joanne. Dan, je crois qu'on peut enregistrer les témoignages d'enfants sur cassette. C'est pour les cas d'abus sexuels. Là, on ne peut pas. À toi de décider. Je vais continuer. Je vais continuer. Très bien, Suzy. Alors donc, qu'est-il arrivé après le coup de feu? Je suis sortie de la salle de bain. Et là, papa est sorti de la chambre de maman avec le revolver. Est-ce bien celui qu'il avait en main? Oui, c'est celui-là. Nous nous référons à la pièce à conviction numéro 5. Ensuite, qu'a-t-il fait? Il tenait son revolver. Et Scott, j'ai cru que papa allait lui tirer dessus, alors j'ai attrapé Scott et ensuite je l'ai protégé. Je t'interdis, tu entends? Papa est resté là à me regarder. Ça a duré une éternité. Et puis il est parti. Il a tiré sur elle. Ensuite, il est parti en la laissant mourir. Et comme elle perdait du sang, j'ai sorti Scott de la chambre de maman. Pourquoi tu as fait ça? Je voulais pas qu'il la voie. Il est trop petit. Et ça le faisait pleurer. Billy, emmène-le! Et toi, tu pleurais? Non. Pour quelle raison? Parce que j'étais trop en colère contre papa. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Pourquoi est-ce qu'il est venu la tuer? Bon, entendons-nous bien sur ce point. Vous êtes assis, en train de tranquillement discuter avec votre ex-femme, Nous étions encore mariés. Oh, excusez-moi. Je me suis trompé. Alors, à quel moment de la discussion vous êtes-vous rappelé que vous aviez justement un revolver? Objection. Accordé. Je reformule ça. À ce moment de la discussion, vous prenez ce revolver auquel vous ne pensiez plus et vous tuez votre femme. Je vous l'ai dit, je me rappelle rien de tout ça. Un coup de feu, ça fait pourtant du bruit. Je n'ai rien entendu. Vous n'avez rien entendu? Non, enfin, si, je l'ai entendu. Seulement, c'est comme si j'étais à des kilomètres de là. Oh. Donc vous étiez là, tout en n'étant pas là. Exactement. Quelle belle astuce, monsieur Miles. Je m'en souviendrai la prochaine fois qu'il me faudra trouver une excuse. Objection. Accordé. Oh. T'as pas dormi? Pas vraiment, non. Joanne, ça va marcher. J'en sais rien. Bon, d'accord, ça ne va pas marcher. Oh, Reddell, s'il te plaît, ne joue pas à ça. Écoute, ça suffit.
En ce moment, c'est une crise après l'autre. Ça m'épuise tout ça, tu comprends? Et tu crois que moi, je me sens comment? J'en sais rien. Et franchement, ça m'est égal. J'ai trop crevé, je suis vraiment trop crevé. Et bonjour à tous. Je suppose que c'est de ma faute. C'est peut-être Bill qui disait vrai. Comment ça? Si je n'avais pas mis mon grain de sel, Lisa s'en serait sortie sans problème, c'est sûr. Lisa vous a appelé à l'aide. Non, c'est faux. Et quant à Bill, c'est moi qui ai mis Bill en colère contre elle. C'est moi, je le sais. Et si j'avais pas fait ce que j'ai fait, elle serait toujours en vie, c'est sûr, c'est sûr. Ça, vous ne le saurez jamais. En tout cas, c'est plus qu'une simple probabilité. Alors autant l'admettre. Votre culpabilité ne changera pas le passé. Oh, oh, ça c'est profond, ça c'est vraiment profond. Et excusez-moi, mais c'est quoi cette psychologie de bas étage que vous me balancez? C'est pour que je me sente mieux peut-être? Je n'en sais rien, est-ce le cas? Oh, c'est reparti, vous recommencez à me poser des questions quand c'est des réponses que je cherche! Je n'ai pas les réponses. Ces réponses, ce sera à vous de les découvrir par vous-même, mais ça prend du temps. Oui, bon, si vous ne les avez pas et que moi je les ai pas non plus, à quoi ça sert que je reste ici? J'aime pas perdre mon temps. Oh, et à part ça, vous êtes génial avec les gosses, mais nul avec les adultes. Joanne! Quoi? Votre sœur a été tuée. Alors vous pouvez courir en tous sens, vous occuper de tout le monde et de la maison. Et aller chaque jour au tribunal, vous le pouvez. Mais un jour, vous devrez arrêter. Vous retourner et faire face à vos émotions. Vous voulez savoir quelle émotion je ressens? Je vais vous dire quelle émotion je ressens. Ce que je ressens, c'est j'ai envie que l'assassin de ma sœur croupisse derrière les barreaux pour le reste de sa misérable vie. Voilà ce que je ressens. Jennifer! Jennifer! Jenny! Je te prends ton poulet. Échec et mal. D'accord. Non, mais tu sais quoi? Faites profiter de moi. Jennifer, j'ai besoin de toi pour faire la salade. Oui, j'arrive. Arrive pendant que je suis encore en vie, alors. Et toi, Suzy, mets la table. J'ai déjà mis hier soir. Et si c'est pas toi, Suzy, c'est moi. Non, c'est pas toi, c'est moi qui l'ai mise et qui ai fait la vaisselle. Vous voulez bien ranger vos affaires, vous? Je ne suis pas votre femme de ménage. C'est à vous de faire ça. Ça va. Quand vous aurez fini ce boucan, vous me le ferez savoir, ok? Parce que j'en ai assez, vous entendez? J'en ai assez. Fais attention si tu veux pas tomber de ce truc. C'est peut-être ce dont j'ai envie. Tu sais, les enfants ont besoin de se défouler. C'est pas les enfants. Ah, c'est qui alors? C'est moi. Je suis très... C'est qu'elle me manque tellement. Tu comprends, c'était ma petite sœur et... Si tu savais comme elle me manque, c'est trop de souffrance. C'est trop de souffrance. Je veux qu'elle revienne. Mesdames, messieurs les jurés, vous êtes-vous mis d'accord sur un verdict? Oui, c'est fait, votre honneur. Veuillez le remettre à l'huissier. Et maintenant que l'accusé se lève. Concernant l'accusation d'homicide volontaire, quel est votre verdict? Nous déclarons l'accusé coupable. La sentence sera prononcée dans une semaine. La séance est levée. Dan, merci. Merci mille fois. Remerciez plutôt les enfants. Ils ont été étonnants. C'est sûr. On se revoit à la sentence. Merci encore, Dan. De rien. Joanne, Belle, je sais que ce n'est pas le moment, mais... Enfin... Maintenant que c'est fait,
On serait très heureux de voir les enfants de temps en temps. Évidemment, nous pouvons aussi comprendre que vous refusiez. Vous êtes et vous serez toujours leurs grands-parents. Alors appelez quand vous voulez. Oui. Merci. Oh, je t'en prie, tu étais nerveux. Plus que tu ne le crois. Oui, on ne sait jamais ce que les gens pensent au fond, et Bill a bien su se défendre. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça, c'est vrai. Alors? Oui? Et maintenant? Comment ça, et maintenant? Eh bien, où sont ces papiers d'adoption que tu veux que je signe? Oh! Oh, chérie! Oh! Oh, merci, ils sont là, je les ai mis là. Je les ai mis là. Oh! Hey, tu sais quoi? Est-ce que je t'ai déjà dit à quel point je t'aimais? Oui, mais redis-le-moi. Ah, oui, non, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis-le-moi encore. Oh, chérie, merci mille fois. Oh, je t'aime. Moi aussi. Raté. Allez, recommence. Voilà, comme ça. Allez, tout le monde à table, le dîner est servi. Oh, maman, j'allais juste y arriver. Regarde. Bien, oui. Allez, venez. Où est Jenny? Je suis là. Photo de famille, les amis. Oh, ah, je savais. Allez, vas-y, maman, mets-toi là. Tu veux vraiment me faire souffrir, hein? Je me mets à côté de papa. Moi aussi. Moi aussi. Oh. Je croyais qu'on en avait fini avec cette phase-là. Oui, elle vient de demander une chambre noire, alors. Un petit sourire. Pas de problème. Vous êtes prêts? On y va. Alors attention les amis, et à la une, et à la deux, et à la trois. Le scénariste s'est inspiré de faits réels. Les personnages et les rebondissements sont imaginaires. Les noms des protagonistes ainsi que les lieux ont été changés. Tu glaces, évidemment.